Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour la quatrième game entre Winning Road et la Spanish Selection. On va se mettre sur la balle au début. Merde, c'est pas ça, okay, je me suis trompé. What? Voilà, Nelou qui prend la balle et qui se met push. Il est plutôt déçu. On n'a pas vu grand chose de l'action, désolé. Pourtant, le début était un moment important des games, enfin, le moment de. Enfin, le début, moi je l'appelle. Tu l'appelles comment toi? Je perds un peu tout mon vocabulaire depuis ma pause. Momo, toujours là? Ouais, juste un gros freeze, désolé. Ok. Bon ben, TD de Kame, ils ont réussi à tuer tout le monde, ils ont foncé droit devant, ils ont tué tout le monde, et puis après ils ont encore marqué. En gros, c'est important de tuer tout le monde. Ouverture du score de Kame. Ah ouais, pour le F5, tu dois noter qui a marqué. Qui, moi? Ouais. Comment ça, pour le F5? Bah pour les stats du F5, Noctis il demande pas que ah, tu notes. Ah non non. Ah non, mais Noctis c'est pas du F5. Comment ça Noctis c'est pas du F5? Mais non, F5 c'est Hotcoyote qui se fait ça. Ah oui, le S5, ouais. Mais le S5 y'a pas ouais. De stats. Ah bah ouais, égalisation. Voilà, égalisation de Nelou, il a foncé droit devant en mode. Bon, du coup que j'avais marqué moi aussi. Petit front easy peasy. Easy peasy, je pense pas. Si ça c'était easy peasy. Je pense qu'il s'inspire de Monsieur Giraffe. Quand il fait pareil, allez, inside. Agarag par inside. Franchement, moi j'aurais fait le contraire. Enfin, il voit pas le jeu comme je l'ai vu. Il fait le même trick, enfin, il fait le trick de l'autre côté pour aller sur le pont. Ah, ça aurait pu le faire là. Silver, il est tout seul, du 1 contre 1. Oh, il lui marche sur la tête, le petit enfoiré. La reset, okay. Barbac s'est fait casser le pont sur les pieds. Couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Ouf, ouais, s'est fait couper l'herbe. Mais... Pas beaucoup d'herbe dans le jeu. Il va qui peut la mettre. Ouais. Ouais, tu sais pas, c'est difficile de défendre sur ça. Il faut aussi tenter un peu jouer au début, et puis bah, quand tu sais pas le faire. T'as envie de déçu. 2-1, ça va plutôt vite. Hein. Ah ouais, bah c'est sur station 2, donc comme les gens sont habitués à jouer, forcément ça joue vite. Hein. On se croit sur Rusty Garden un petit peu. Bon, sur Rusty Garden, c'est difficile à défendre. Là, ce Heavy CS qui a vraiment défoncé tout le monde. Kim qui a la balle. Il y en a un qui a crash chez moi, Gaara, qui a donc body. Enfin, ah non, il était moins haut. Non, Gaara... Il me semble qu'il s'est pris un coup de révo. On verra ouais, ça. Gaara, il bouge pas trop. Donc, Gaara qui est un peu déçu. Récupération de Neluro qui reset. Est-ce qu'il y a un site du coup? Combi qui il a fait 4 faire la dégager en seuil. C'est du 3 contre 3, ça change un peu toute la stratégie du 4 contre 4. Le 3 contre 3 qui est ouais, suivant les... S'ils ont pris des stuffs assez polyvalents, ça devrait pas être trop gênant, mais. Suivant les stuffs qui sont. Ouais, Gaara a crash. Gaara a crash, ouais, c'est pas trop gênant, mais le jeu 3 contre 3 est plus agressif que le. Plus engageant aussi que le 4 contre 4. Quand tu te vas dans quelque chose, bah, il faut essayer d'aller jusqu'au bout et. Voilà, il y a moins de temporisation à faire. L'ami va est tout seul, il va falloir tempo. Pour. Bah, il a bien fait ça. Ouh là là, mauvaise idée, je pense. J'ai vu ça, je l'ai pris un peu pour un fou. Enfin, Kame qui. Ou inside. Bien joué de Kame qui a réussi à. Ah, il voulait tenter le reset, dommage. Ça va de side en side. Toi là, tu viens dans mon side, je vais dans le tien. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Je pense que à ce niveau-là, c'est la chose la plus sûre à faire en attendant que Gaara revienne. Je suppose qu'il va revenir. Ouais. Ça dépend. Toutes les teams se sont entraînées à 4 contre 4, donc 3 contre 3. Peut-être que personne n'a envie de prendre de risques. On voit bien oui, que c'est pour ça qu'ils font du side, c'est pour. On voit bien que ça essaye une grosse erreur du. Je trouvais des Spanish là, essayer d'aller focus le relais et puis de se faire stomp par celui qui a la balle quand même. C'est toujours mieux que d'aller attaquer le relais ou alors de laisser le porteur low d'abord. Ouais, mais bon là. Faut pas faire de kill striker et avoir de mauvaises surprises. Il était relativement. Enfin, tu peux aller kill le gars de tout près et prendre la balle derrière. Étrange, c'est bien fail là. Et il me semble pas que j'ai vu de révo ou quoi que ce soit. Donc... Si, il y a des révo.
Ouais, mais là il n'avait pas sur cette action, je pense. J'ai pas vu en tout cas. Ok, Kim qui prend la balle, qui se fait toucher. Pourquoi il s'arrête? Pourquoi ils vont... Ah, si, ils continuent le front, enfin. Continue le front, ouais, mais bon. Ah, c'est du 2... Ah, Compliqué. 2 Là. contre 1. Il y a une occasion, il y a une occasion. Et il y a un Ok, TD, même, il clairement. marche. Jouer le handgun qui a su parler là, clairement. C'est sous le handgun qui a push Silver. Silver était un peu déçu après ça. Hop, ça se le bon qui va donc. Est-ce qu'on a des news de Gara? Est-ce qu'il va revenir? On sait pas. On espère pour lui. Du coup, ça va Est-ce que Smith. Madame Ping accepte qu'il revienne? Pas, il a vu, c'est un Allemand, gars, non? Oui, c'est un Allemand. Ça va, C'est un ça. jeune Allemand d'ailleurs, il a 14 ou 15 ans, je crois. 14 ou 15 ans. Là, ça part en side maintenant, Ça. encore. Est-ce qu'il a le droit de recevoir des prix d'internet, du coup? Bah, je suppose, oui. Pourquoi il a. Pourquoi pas? Ah, bah, il est de retour, Voilà, voilà. il est Il de rentre. retour. Donc, c'est 3-2 et 9 points en plus pour la Ouais. team. Enfin, c'est 2-2 que cela compte encore 3-2, Avec. n'importe. Neliro qui bat la mec, je suppose. Ah, Ouais, oui. il la rentre là. Est-ce que le site avait continué là? Si. Je sais pas. Comment? Je dis, est-ce que le site avait continué en fait? Apparemment, oui. Bah. Je sais pas, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Alors, Ah, du coup, Gara récupère la balle. Gara, plutôt vénère qui va prendre la balle. C'est bizarre, malgré un crash, il n'y avait pas énormément de points d'écart entre les deux teams. Non, parce que FaKa a 6 avec 12 points, donc pas énormément d'écart. Ouais, mais là, il n'y a plus 12 points, quoi. Je veux dire, donc, clairement, Winroot qui sont en mode farm encore une fois. Enfin, farm. Sur les Winning Roads, ils ont toujours eu un style de jeu axé sur le frag. Hein. Ah, c'est Encore plus leur. avec le Smash, mais même là sans Smash, c'est toujours un peu on tue tout le monde puis on avance. Ils préfèrent d'abord tuer tout le monde et puis après ils regardent s'ils peuvent attaquer. Ok, Nelou qui a bien joué ça. Un autre front qui passe. Il faudrait qu'il rentre quand C'est même à maintenant. Monsieur Giraffe cette technique. Hein. Super. Alors. Voilà, donc tu as Monsieur Giraffe qui est en train de te flame sur le chat. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est parce que je crois que je prononce mal son pseudo, ça doit être. C'est un peu comme Zoro, c'est Yes oui, Monsieur Giraffe, un truc comme ça. Ah bah, il le prononce un peu comme un roumain. Va bien. C'est le best rush Europe, comme on dit. Le Best Trust Europe? Non, c'est quelqu'un qu'on m'a présenté, que je connaissais absolument pas, on m'a dit. Deux. Le meilleur rusher d'Europe, enfin d'Europe, de France en tout C'était cas. qui? On t'a présenté qui? J'ai pas été sur un reroll, donc. Lee machin, je sais pas quoi. Lee? Non, en On tout connaît pas cas, de c'est Lee. par Lee. C'était Lee Sin sans doute. Non, avec les bops, il peut enfin taper les gens. Je Alors, connais pas Faker. de mec qui s'appelle Lee, désolé. Non, c'était pas Lee, quelque chose, c'était bon. C'était Light, Lightning, quelque chose, un truc comme ça. Alors, Braba qui prend la balle. En side ennemi, Qui ah ouais, essaye en de 3 contre venir. 1 3 il se fait contre prendre la 1. balle. Bah, c'est normal, je pense. C'est Silver qui contre-attaque en side. Ah, il y a Izzet. Voilà, le reset qui peut donner quelque chose de bien, et en fait, non. Il s'est rien passé, gars. Ah, le front loupé. Alors, Contre-attaque en front Lid direct. qui veut contre-attaque en Plus front, qu'un ça seul marche mec en pas. défense. Hein? Ah, Silver qui a spawn. Ah non, le Revo. Non. Ça l'a calmé là. Eh oui. Le Revo qui est très bien pour défendre sur une map comme Station 2. Ah, surtout pour le front, oui, où un moindre push Revo peut changer la donne. Pour le side aussi, hein, un peu Shrevo, un peu. Ok, bien joué Le le recall. return, enfin le revenge. Enfin, non, pas le revenge, le Le return, ouais. return, le recall. Recall, parce que tu te remets bien. Ça fait 5-2 quand même, hein. Ouais. Alors. Du coup.
si les Winning Road gagnent celle-ci, ils ont gagné le tournoi et la première place. Mais est-ce que même s'ils gagnent la première place, ils peuvent demander à avoir la deuxième récompense? Non. Non? À moins que le deuxième refuse. Ils peuvent pas demander sans que les deuxièmes touchent à leur récompense, eux avoir la deuxième récompense. Oh, parce que ça reviendrait moins cher du coup aux gens qui donnent les récompenses du coup. Je suppose. Les récompenses sont chez Kitoni à la maison, là dans une boîte en carton. Elles sont déjà chez lui. Donc ouais. Hein. C'est pas que ça coûte moins cher, hein. C'est que. on les a dans une boîte en carton quoi. Ah tu les as déjà vus? Comme ça je les ai déjà vus. Oui bien sûr, je les ai vus. Voilà. Chez lui? Ouais. Enfin c'est dans une boîte en carton les lots. Les lots, les oui, j'ai bien compris que c'était dans une boîte en carton, mais. Mais Ah donc en fait s'ils veulent par exemple avoir la deuxième récompense, il faudrait échanger avec des gens de la deuxième équipe, par exemple. Ouais. Ouais mais donc on fait pas quoi tu vois. Je sais pas. Enfin on s'arrangera avec les gens. Déjà on va leur demander s'ils veulent la récompense, peut-être qu'ils veulent pas, hein. Si c'est jamais. Ouais, je suis pas sûr ouais. Qu'il y ait refus de la récompense quand même. Surtout si c'est gratuit. Surtout si c'est gratuit, ouais bah. C'est jamais hein. Je suis sûr que les Watch Your Back sont très impatients de recevoir leur tapis de souris édition limitée, tout ça. N'est-ce pas Thorax? Dis-nous. Thorax, oui, il peut nous dire Thorax. Est-ce qu'il est pressé d'avoir son tapis de souris? Est-ce que t'es pressé d'avoir ton tapis de souris? Je sais pas. Et du coup, s'il y en a un de vos teams qui le veut pas, Kitoni pourra m'en envoyer un. Ça me ferait plaisir. De ma team ou de Watch Your Back? Comment ça? Ben non, de Watch Your Back, s'il y en a de sa team qui. Qui veut pas le tapis de souris? Qui veut pas tapis de souris. Je sais pas. Je peux. Kitoni pourra m'en envoyer un du coup. J'aurai un super tapis de souris. Faut demander Watch Your Back s'ils veulent le tapis de souris. Thorax il dit que oui, il le veut. C'est plutôt un enfoiré du coup. Reste. Et à Aizen. Est-ce qu'ils le veulent? On sait pas. Est-ce qu'ils le veulent? On m'a dit dans l'oreillette que Aizen le volait. Donc. Je suppose qu'il n'y aura pas de tapis de souris pour toi, malheureusement. Ah, dommage. Vu que Silver n'est pas quelqu'un de très très riche, il voudra sûrement. Hein. Je sais pas, je connais pas personnellement Silver. Voilà. Je sais juste qu'il est barbu. Tu sais qu'il est barbu? Voilà. Enfin, je suppose que les gens. Voilà. Est-ce qu'il y a un event Orangina ce soir? En fait, l'event Orangina, je l'ai fait hier avec Orangina. Il faut voir. Un event Orangina? C'est Orangina qui sponsorise des capsules sur les events full tourette, tout ça. Ah, d'accord. En fait, même en spammant partout mon nom et qu'il y a des gens qui me détestent à un point parce qu'ils me disent que je suis un spammeur et tout, tu n'as jamais entendu parler de moi? Si, mais ouais, j'ai vu en plus l'event tourette. Enfin, j'ai vu la fin plutôt de l'event tourette, c'est toi qui avais fini premier d'ailleurs. Ouais. Mais je savais pas que c'était sponsorisé par Orangina par contre. Mais c'est marqué dans la description, je crois. Donc il s'appelle Orange et puis après Gina, tu vois. Mais c'est le joueur qui s'appelle Orangina. Bah oui. J'ai cru, Orangina qui a donné des caps, pourquoi pas? Oh, je peux toujours demander. Non, mais j'ai cru que c'était l'entreprise Orangina. C'est pour ça. Et je t'envoie des boissons. Le joueur Orangina, je vois qui c'est, oui. Ouais, voilà. J'avais juste pas compris. En fait. Voilà. Non, mais est-ce que t'as cru que j'étais sponsorisé par. Par contre, t'es sponsorisé Orangina, par Steve Series, et puis tu te dis, bah forcément, Orangina c'était plus facile à avoir. Donc la prochaine lot, j'essaierai de demander à Kitoni, on essaiera de discuter avec l'entreprise Orangina du coup, et donc pour la première place des Orangina. Ah bon, pendant qu'on discute, il y a Lilith qui vient t'aider, oui. Pour réduire le score. Ben voilà. Donc Thorax qui est totalement mort de rire. Oui, j'entends ça. Voilà. Mais oui, je pensais que... Parce que vu qu'ils ils ont le même nom, Orangina, j'ai pas compris ça. Écoute, Fanta, il s'appelait Fanta aussi, hein? Tu te rappelles de Fanta, non? Oui, je m'en rappelle. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà, si un jour te dis je suis avec Silver, il faut pas commencer à croire que je suis avec. Avec de l'acier, quoi. Voilà. Avec Quicksilver, peut-être, je sais pas. Il y avait un joueur qui s'appelait Quicksilver aussi. Ouais, voilà. C'est pas ma faute si les gens prennent des noms qui veulent dire quelque chose dans la vie réelle.
Oui, bah moi au moins c'est simple, mon nom il veut rien dire, hein, comme ça. Enfin si, il veut dire fouetter en anglais, mais ça voilà. Qu'importe. Ah, un petit front de Barba. Barba, voilà. Il y a des lurons qui respawn. Tout le monde devrait s'appeler comme ça, je suis Gilis, je suis Barba, je suis... Voilà. Tout ça, on sait qui tu es. Ça c'est cool. Bah j'y penserai, je m'appellerai I am Lash alors. Tu es un lâche alors? Je suis un lâche. Ouais, c'est ça. Bah, vu que lâche ça veut dire fouet, ça veut, effectivement, c'est écrit je suis un fouet. Mais... Voilà. Bah, du coup, comme je suis belge, je devrais faire ceci n'est pas mon pseudo. Comment? Ceci n'est pas mon pseudo. Ceci n'est pas ton pseudo? Ceci ne n'est pas mon avatar. Ceci ou saucisse? J'ai pas bien compris. Ceci n'est pas mon avatar. Tu sais, pour faire ceci n'est pas une pipe, tu connais le tableau, non? Peut-être. Oui. Ok. Parce qu'on est pas sûr de sa culture générale depuis Rangina. Il y aura peut-être un event ce soir avec Orangina, il y en aura peut-être un, il faut que je joue avec lui. Il faut savoir que Orangina, en fait, il n'y aura pas d'event la semaine prochaine parce que Orangina n'a pas. Il y a eu un bug. Il a dit non. Il y a eu un bug pour il les. Il était déçu. Oui, forcément. Pour les GC. Ces GC ne sont pas apparus sur son compte. Je ne sais pas trop ce qui sont passés. Et du coup. Il les a achetés, mais ça n'a pas apparu. C'est ce qu'il m'a dit, oui. C'est pas apparu comme ça. C'est bizarre. À moins peut-être que. Peut-être qu'il est menti, hein, on sait pas. Hein. Peut-être qu'il ment et qu'en fait il a trouvé un bug. Chaque mois le jeu lui passe gratuitement et cette fois-ci ça a pas marché. Gara qui tape un front. Ah, il est à Gara. Oh, le return avec Miva. Le boomerang du coup avec. Il est déçu. Avec la CS. Hein. Alors 6-4, c'est bon. Et donc ça on se rapproche très vite de Victor Wingo. Ça paraît compliqué pour l'Espagne. Ah ouais, putain, j'ai un petit lag. T'as le lag tout le temps, toi. J'ai un bon gros lag. Ok, donc encore un juge FR qui, en plus de regarder, de coach, d'arbitrer une partie, une fois avec Skype, hein, il va pas à grand chose. Ah oui, ce drop ball qui peut faire quelque chose. Non, ça arrive, c'est okay. Le Revo, c'est bien, c'est fort. Ah c'est bon, ça s'est calmé un peu. Ok, Momo qui est revenu avec nous. Bonjour Momo. Bonjour. Voilà. Alors vous, bonjour plutôt. Bonsoir. Maintenant vous connaissez son prénom, c'est ça? Ton surnom? Non, mon prénom c'est pas Momo, c'est un diminutif plutôt. Ah ok. Momo. Parce que souvent les Momo c'est chez qui on va manger des frites. Voilà. C'est vrai. Dans le nord. Bah tu veux. On est chez Momo. Est-ce que tu fais bien les frites, Momo? Oui, j'aime bien les frites, en effet. Est-ce que tu les fais bien aussi, hein? Bon, bah là, je sais pas à quoi jouent les Espagnols, mais on dirait qu'ils jouent à tiens, je te passe la balle en Alaric 7 ans, je te passe la balle en Alaric 7 ans. Ah, c'est terminé là. Du coup, c'est fini. Ouais. C'est Winning Road qui gagne, et donc pour les récompenses, tout ça, on verra ça avec Kid Tony, c'est lui qui les a à la maison, donc ne me demandez pas, inutile de me spammer, genre, ouais, mets ta petite souris. Ils sont pas chez moi. Donc faut spammer Kitoni du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas spammer Kitoni du coup. Vu que c'est lui qui les a. On fera une convo, tout ça, machin. Enfin pour Thorax. Ça sera en français.